Roblox! Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Tout le monde joue à Roblox. C'est une dinguerie. Chaque année, ça ne fait qu'augmenter. Et vous savez quoi? Il se pourrait même que Roblox devienne un des plus gros jeux ever. La communauté est juste insane. Et le nombre de modes de jeu est illimité. Bon, moi jusqu'à présent, j'ai jamais été trop touché par Roblox. En fait, les modes de jeu me parlent pas trop. L'ADN, la DA non plus. Mais ces derniers mois, il s'est passé des dingueries. Des nouveaux modes de jeu qui vont bien plus loin. Et qui dépassent même la barrière graphique de Roblox. Ça a commencé avec des technologies un petit peu spéciales. Et ces derniers temps, Roblox m'a touché en plein cœur. Ah non, pas moi! Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Je vous ai dégoté des modes de jeu qui normalement vont forcément me plaire. Bien sûr, on va parler de FPS. Ça a commencé avec un des modes ultra populaires qui a fait le buzz, Frontline. Et vraiment, c'était limite Call of Duty. Je ne sais pas comment c'est possible. Et il y a plein d'autres modes de jeu comme ça. On va les découvrir. Je ne crois pas que je suis en train de faire ça. Waouh, alors, ah oui, alors c'est vraiment ça qui est génial avec ce jeu, c'est qu'il existe tellement de modes, tellement de possibilités. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous connaissez des petites dingueries, là c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé. Le premier truc que j'ai envie de tester, c'est Counter-Blox. On commence tranquille, celui-là est assez connu, ce serait donc une réplique de Counter-Strike. Oh, Counter-Blox. Waouh, on a un mode compétitif. Waouh, il y a des skins. Oh, oh. Mais what? Il y a des caisses. Mais moi, j'ai pas de crédit. What? Il y a des carambites. Mais c'est légal, ça. Imagine, il y a une Dragon Lore. Mais attends, ça veut dire que vraiment, dans le jeu, il y a les répliques de ces armes-là. Je veux des Robux. Non, bah forcément, c'est pas des skins du jeu, c'est des skins inspirés. Désolé, ça, c'est toujours mon problème. Ok, on va aller en terreau. Ah, mais attends, mais c'est vraiment... Mais c'est en mode à quoi? What? On est sur Nuke. Alors par contre, visuellement, on reste sur les personnages vraiment à la Roblox. Là, c'est vraiment du mapping. On va voir ce que ça donne après. Incroyable. Ah oui, on voit vraiment les armes. Non mais c'est fou. J'espère que c'est fluide par contre. Ouah, il lui a mis un coup d'awap. Oh mais c'est à l'ancienne, ça me rend nostalgique. Je vais prendre gilet Kevlar, prendre un petit AK. M4 en terreau. Ah non, je suis en hétéro. Je ne comprends rien. Wouah, incroyable. Ouah, coup de pétard. Donc là, visuellement, on reste sur du Roblox, mais vous allez voir sur les autres jeux. C'est vraiment impressionnant. Ouah, le tir par contre. Oh, ce que j'ai pris, j'ai pris une tête. Où sont mes sous? J'ai combien de sous? J'ai 2700. Prends un scout. Oh, le scout. Oh, waouh. Wesh. Oh, je peux inspecter. Oh, j'ai touché. Oh, la tête. C'est incroyable. Et la map est vraiment très bien reproduite. Allez, c'est le 1 contre 2, hein, le CT, là, qui va les prendre dans le bac. Attention, il y a un cadavre à côté. On a la caméra en haut à gauche. On a la TH, tous les participants en haut. Il est perdu, le zinc, là. Il est perdu. Il y a la bombe en... Ah, mon garçon. C'est ça, les joueurs Roblox? Ah ouais, ils sont perdus, hein. Bah en vrai le scout c'était pas mal. Vas-y, on va prendre la M4, on va tenter un push. Comment je prends le cut? Oh, le couteau. Ok, on va voir si vraiment j'arrive à faire la diff. Ah, ils jouent tous au snipe. Garde du Roblox. Il a pris ma M4. Ah, mon cadavre brûle. Ah, il y a même les molotov et tout, ça veut dire. Waouh, le shoot. Ah, tu sens que c'est pas des experts CS, hein. On a même le bonus de perte, ce qui veut dire qu'on va gagner plus d'argent à chaque défaite. Alors, j'ai combien? 10 000. Oh bah, c'est la WAP, hein. Oui, messieurs, la WAP, garde ça. Là, c'est win. Allez, je vais jouer comme si c'était vraiment CS. Hein? Je suis pas d'accord. Vas-y, on va rejoindre une autre map. On va faire un match à mort déjà pour tester les armes, tester le shoot. C'est quoi ça? Trop facile. On va tester la WAP. Let's go. Des fois, licorne. Bam! C'est parti! Wesh! Eh oui, mon garçon! Terminé, bonsoir! Le turn? Dommage! Des fois, je prends des trucs trop bizarres. Ça cheat sur Roblox! Ah, lui, ce qu'il met. Non, mais c'est un cheater. Bah. Allez, un petit dust là. Je suis tout seul, 1 contre 3. Et on va créer l'exploit, hein. Ok, c'est mon moment, gros. On est sur dust 2, 1v3. Ils m'entendent ou pas? Que c'est des bots à ce point? Ils sont où? Dans le mid. Ok, ils sont passés dans mon spawn. Et de où il a des armes? Mais c'est quoi ce jeu? De où il a des armes? 1v3. J'ai même pas la possibilité d'acheter une arme. J'ai combien de sous? J'ai 2000. Je ne peux rien faire. On va tenter le spectacle. Écoute, on va prendre le mid au scout. Donc, du coup, je la connais bien. Ça devrait le faire. Allez. Je te mets pas devant, malheureux. Ah. Oh. Il est dans la smoke. Oh, il a pris une tête. C'est l'histoire qui est écrite, hein, ici. Eh, faut mourir. Bam. C'est le
Alex, au scout, sans shield, sans rien. Ça part de là. Bon, en vrai, le scout, c'est pas mal. Hein. En fait, ils sont tellement gros, c'est facile de mettre une tête. La M4, elle est pas facile. En fait, j'ai l'impression qu'il vaut mieux des armes à lunettes. On va prendre la Hog, je suis désolé. On est sur Roblox, pas les mêmes règles. Je vais tenter un push B. Oh, le viseur. Oh, le viseur, j'ai le seum. Quoi? Oh, j'ai le seum, ils étaient tous là. Oh non. Ah, si j'avais une petite AK là. Oh, ce qu'il a mis. Il tryhard des zinzins. Ah, c'est même la même bombe par contre, avec le même son. Ouais, il l'aura jamais. Cours! Techniquement, il y a des petites faiblesses quand même. Franchement, c'est rigolo. Puis gratos, ça se télécharge en 2-2. Vas-y, il me faut un pompe là. Un petit XM. Prendre le XM et je vais push. Donc... Mais ils ont des line-up et tout. C'est des ouf. Tiens. Hop. Merci. Ok, ils sont longs. Ah, on y va, on y va, on y va, garçon. Poussez. Mort. Voilà. Laisse-moi diffuse. Voilà. Ah, c'est incroyable. MVP, bien sûr. C'est le push qui a fait la différence. Je vais tenter un push long A. Il m'attend. N'y va pas, Franky, tu vas mourir. Oh, malheureux, fuis. Mais non. On y va, j'ai avec toi. Ils sont en B. Oh, oh, y a la bombe. Eh ouais. Ça y est, c'est bon, j'ai le truc. Ah, là, on est sur un 11-3, là. C'est incroyable. Ok, là, on est côté terreau. On va aller long A. Oh, la tête qu'il a pris. Oh, il y en a encore un. Viens là, malheureux. Tiens. Il reste plus qu'un. Ouh, les trois kills qui sont pris. Un petit Mac-10. On reste en écho. Easy. Short. Terminé. Oh, le FAMAS. Oh là là. Le CS3, il fait plaisir. Là, je joue premier degré. Hein. Vous m'excuserez. Ça va sortir la WAP au mid. Vite le pré-shot. Hop. Merde, j'ai passé. Oh merde. Oh merde. Oh, il a explosé le zinc. Touché. Ah, il est pas mort. Mort. Ah, je l'avais. Bon, bah franchement, c'était fun, c'est pas mal. Mais comme je vous ai prévenu au début, on y va crescendo. Ça, c'était le premier. On reste quand même dans un mood Roblox. Il est temps de tester un deuxième jeu, Riot Fall. Cette fois-ci, pareil, on est dans un FPS d'action qui se rapproche vachement de Call of Duty, qui est très similaire à ce qu'avait fait Frontline. Et vraiment, il y en a de plus en plus. Et là, en fait, ce qui m'intéresse et ce qui m'impressionne vraiment, c'est qu'on change toute la DA et tout le game design un petit peu habituel de Roblox. C'est-à-dire même les personnages ne sont plus ces bonhommes un peu tout carrés. À ce qui paraît, celui-là est vraiment stylé. Ça reste de la bêta, donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester. On va voir ça. Ok, déjà rien que le menu, c'est génial. On a l'impression d'être sur un autre jeu. On a des bundles, il y a les challenges, il y a forcément une boutique, j'imagine. Bah oui, le shop. Alors, loadout. Waouh. Ok, on peut créer sa classe. Ah ouais. On peut customiser carrément son arme. Ok, donc on a les camos. Ah ouais, donc là on est vraiment sur un modern warfare-like. C'est que le début, donc j'ai vraiment rien. Mais regardez, on a différents viseurs laser. On a le grip, la crosse. C'est fou. Pour le moment, malheureusement, on n'a rien. Donc on restera sur les trucs de base. On a un fusil à pompe et forcément un sniper. Donc on a toutes les classes à peu près. On peut jouer direct. On a du team deathmatch, de la mêlée générale et du 2 contre 2. Bon, on va faire du team deathmatch pour commencer, c'est bien. Alright! Ouais! Mon premier kill! Ah, on est vraiment sur un Modern Warfare-like, hein. Même dans les textes, ça se joue super bien. Ah, le shoot, il est incroyable! Let's go! Le son est un peu pauvre, je trouve. Ouf, il m'a mis quoi? Oh, il m'a mis une balle de snipe! C'est pas dégueu, hein! Cross, ok. Oh merde! Ah, grenade! Oh! Bah, il y avait quelqu'un. Ah, lui, il se fait plaisir. Oh, comment il m'a raté! Regardez ça, la visée. Ah, c'est pas mal. Et les mecs, ils sont niveau 70 et tout. Et là, il n'y a pas de SBMM, hein! C'est Roblox! Hop. J'ai eu double kill avec la nade. Ah ouais, j'ai le double sprint. C'est incroyable. Parti. Oh là là. Let's go. Ah, j'ai ma vie en bas à gauche. Je sais pas si je régène. Ah, si je régène. 100%, ok. Ouah, j'ai tout. Là, j'étais pas bon. Il y a des passages par-ci, là. Hop, hop, hop. Fuck. Vas-y, on va tester le snipe. S'il vise rapidement, ce serait une véritable dinguerie. Ok, il y a des trucs à faire. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Let's go. Oh ouais, c'est incroyable.
Ah dommage, j'aurais pu faire une triple vide. La vider est un peu dure. Je suis en légende là. Oh là là. Petite série là. Là, il y avait une triple, non? Ah, j'ai fait une zazinerie. Ouais, sur un petit 22-7, première game. Mais c'est ça qui est trop bien quand même, même si ça reste du Roblox. En fait, c'est tellement aussi simple et efficace que t'as la visée, tout est simplifié, on se rend plus la tête. Et franchement, ça fait du bien, je trouve. C'est trop cool. Oh, je l'ai mis, le turn. Victory. Pas mal, un petit 23-8. Et il y a des mecs qui sont au niveau 70 et tout, hein. Là, je suis niveau 6. Donc ouais, ils ont joué plusieurs heures, facilement. Franchement, c'est ouf, on n'a pas l'impression de jouer à Roblox. Hein. Je sais que pour certains, c'est normal. Ok, j'ai débloqué viseur laser pour la M4. Hop, on va le mettre. Optique, hop. Ah, et j'ai une poignée. Ah, ça peut être pas mal, la poignée. Alright, nouvelle map. Ah oui, donc il y a plusieurs maps déjà. Trop bien, let's go. La map est très très grande là par rapport à tout à l'heure. Garde ça cette map. Rien de ça, le soleil et tout, c'est cool ça. Garde tout le Roblox. C'est fou. Ah ouais, le viseur laser, il est incroyable. Let's go. Franchement, moi, ça me suffit. Si le jeu, il est fun, si le jeu est vraiment bien pensé, que les mécaniques de gameplay sont bien et tout, moi, ça me suffit. Genre, les graphismes aujourd'hui, bon, c'est sympa, mais... Faut pas que ce soit le truc le plus important. Regarde ça, ça perd. Viens là, toi, qu'est-ce que tu fais là, courir comme ça? Viens là. Il est où? Il court vite. Oui. Eh oui, monsieur. Eh bah franchement, Riot Falls, c'est quand même validé. C'est vachement sympa. Il y a un autre jeu encore qui s'appelle Tonnerre Roulant. Bon, je sais pas pourquoi il fait tout le temps les traductions, mais ça doit être Rolling Thunder. Donc ça, visiblement, PVP, en champ de bataille, en 25 contre 25. Oh, on est au Vietnam. Alors là, on se croirait sur Rising Star Vietnam, un de mes jeux préférés. Vous connaissez ma passion pour les jeux sur le Vietnam. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit peu plus pauvre visuellement, mais c'est pas non plus vilain. Mais je suis choqué. On est de retour au Vietnam. Waouh. Oh, oh. Wow, ça bourlingue. Oh, la double. Mais c'est une dinguerie. Mais quoi? J'ai déjà rank up. Et c'est du tir au pigeon, là. Eh ouais, moi, je suis un vétéran du Vietnam, les gars. Ah, mais quoi? Mais c'est le meilleur jeu ever. J'ai un bombardement, ça va péter, mon zinc. Wow, 4 kills. Oh. Non mais là c'est trop, je suis euphorique. J'ai même plus de balles. Je suis en 18-0 et c'est des joueurs en face. Comment je fais pour récupérer des balles? Ah bah voilà. Hop hop, merci. Ah ouais là c'est tir au pigeon là. Ils sont nazes. C'est quoi ce aim de zinzin? Waouh. Le Vietnam. On est en 21-0. Mais non, en face c'est des bots, c'est pas possible. Ah mais attends, mais moi j'ai un autre killstreak là. Du napalm là. Oh le napalm. J'ai le seum, j'en ai tué qu'un. Non, c'est des bots. Ils ont 0 kill, c'est pas possible. J'y crois pas. Oh! Oh! Oh, le kill streak! Ah, je vois rien avec son bras. Enlève ton bras, et du con. Waouh! Oh, c'est trop. Get the fuck out of here! Oh, c'est sûr, c'est des bots. Wesh! À combien là? 69-0. Vas-y, on fait le 100. Hyper vitesse! Waouh! Wow. Carrément, je suis dans leur spawn là. Plus rien à foutre. Je savais même pas qu'il y avait des bots comme ça dans Roblox. Prends ton arme ou pas? Ok, j'ai pris son arme. Ah, mais attends, je peux prendre ça. Ah ouais! Oh, j'ai le gunner. Yeah! Oh oh, je suis en train de mourir. Un die. Ah non, je suis mort.
terminons avec le fameux Ligne de Front, le jeu qui a vraiment fait connaître un peu tous ces modes Roblox. C'est un petit peu la référence et il y a eu une mise à jour récemment, donc il doit y avoir pas mal de nouveautés. Moi, j'y ai joué un peu en plus. Donc, je sais pas si j'ai encore mes niveaux et tout. Problème de données. Ah bah du coup, j'ai eu 2500 crédits parce qu'ils ont pas eu ma save. Bah ça me va. Pas de problème, mon zinc. Regardez comme c'est incroyable. Regardez comme on peut tout custom. Ok. Bon, vas-y, je déploie direct. Alright. Oh là là. Ah ouais, là, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, on est pas loin. On est vraiment pas loin d'un truc méga clean. Ok, visiblement, ça prend là-bas. Waouh. Ok, ça commence très vite. Il y a M4. Ah, M4, je peux? Oh yes. Ah, j'ai pas assez pour débloquer la WAP, dommage. Ah ouais, non, mais franchement, regarde ça. Là, c'est vraiment le meilleur, moi, je trouve. Hein. C'est impressionnant. Oh, oui. Le TTK, il est rapide. Regarde ça, ils ont des viseurs laser et tout. Toujours grosse... Incroyable. Ça me fait penser à World War 3, pour ceux qui connaissent. Oh, quand tu tires, ouh, plus rien. Let's go. Non, franchement, combien? Ah ouais, reste dans ton spawn, toi. Bouge pas de là. Easy. Voilà, comme ça qu'on fait. Le turn. Oh, le turn. Passe par là. Oh là là, c'est tellement jouissif. Oh. Non, il m'a fait une belle glissade. J'ai voulu m'allonger, mais je sais pas si je peux. C'est trop bien, vraiment. C'est bon. Ah, lui, il est bon, là, avec son petit viseur laser. Il connaît. J'aimerais trop prendre le snipe. Allez, salaud, il faut que je prenne des crédits pour le snipe, forcément. C'est aussi ça, le business model de Roblox. Hein, tout est gratuit. Il y a pas mal d'échanges de microtransactions, quoi. Regarde ça. Regarde cette map. Oh. Ah, c'est donné. Ça rush, hein. C'est ouf. Ils ont faim, les joueurs Roblox. Oh là là. Par contre, y'a pas de killstreak, y'a rien. Là, tu vas me gratter. Ah, il m'a eu. Ah, mais j'ai des nades. Oh, pété. Ah. Let's go. C'est trop trop bien. Genre c'est simple, efficace. Ah, dommage. Wouhou! Victory! Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Il est trop trop bien. Ah, c'est moi! La kill cam! C'est un petit 31 kills qui est proposé. Trop bien. Ah, je me demande si j'ai le snipe. Non, j'ai pas de sous. Dommage, peut-être pour une prochaine fois. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager aussi des idées de jeux vraiment sympas à faire sur Roblox. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.